Je m'appelle Adrianina, je suis américaine d'origine malgache et je travaille comme volontaire ici, dans la commune de Manjac-Andriana. J'ai étudié le commerce international et le développement. Le programme de l'OARANO était donc une occasion parfaite pour me reconnecter à Madagascar. Avec d'autres bénévoles, nous enseignons des cours de langue et de gestion d'entreprise à des étudiants universitaires et à d'autres membres de la communauté. Je m'appelle Anaïs, je suis née en France de parents malgaches et je vis maintenant en Suède, où je travaille dans le domaine du marketing. Il était important pour moi de retourner à Madagascar, et plus particulièrement dans le district de Manzakanjin, d'où est originaire ma mère, pour redonner à la communauté. Nous avons été accueillis par notre famille d'accueil. Ils nous ont fait visiter et nous ont présenté la culture locale. Le retour à la maison pour un repas traditionnel malgache servi par ma famille d'accueil après une longue journée de bénévolat a fait toute la différence, en particulier pendant le froid hivernal dans la région. Nous n'avions aucune attente ni aucune idée de la manière dont le projet fonctionnerait, mais nous nous sommes mis au travail. En échangeant avec le maire et les dirigeants de la communauté sur comment et où nous pourrions déployer notre projet, nous avons ensuite passé le mot pour que les jeunes s'inscrivent à nos cours. L'une des priorités de la commune était d'enseigner aux étudiants et aux associations locales comment créer une entreprise. En apprenant le cours, j'ai réalisé que notre succès consistait à exposer nos étudiants à un nouvel ensemble d'outils et un nouvel état d'esprit. L'un des principaux problèmes auxquels nous avons été confrontés ici était le manque de ressources. Ici, vous devez vous débrouiller avec ce qui est disponible. Mais si vous êtes débrouillard, vous pouvez faire beaucoup de choses. En plus de dispenser les cours, nous avons également pris part à des activités de rénovation bénévole dans la communauté, afin de créer des liens avec les jeunes de la région et avec nos étudiants. Les jeunes que nous avons rencontrés avaient quitté Manzakanjin pour se rendre dans la capitale, mais reviennent maintenant régulièrement pour redonner à leur communauté. Le dialogue avec les jeunes volontaires locaux a renforcé ma conviction qu'en tant que membre de la diaspora, il est également de ma responsabilité de rester connecté à mes origines et qu'en prenant simplement le temps de travailler ensemble à la réalisation d'un objectif commun, nous pouvons avoir un impact sur toute une ville. Nous ne sommes peut-être que 9 volontaires dans le programme Loiran. Nous seuls ne changerons pas le pays. Mais en travaillant ensemble, nous nous sommes motivés pour continuer à grandir et à contribuer, chacun à notre échelle, du mieux que nous pouvons.